Amen. Amen. Je sais que certaines personnes parmi nous sont encore dans. Oui, il nous amène de gloire en gloire. C'est Ézéchiel 47. C'est 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Ça commence au niveau des chevilles. Et dans le niveau, il y a chevilles. Ça commence sur la berge. Et dans la berge. Il nous prend de la berge. Azorabi sur la carte, il y a berge. Au premier niveau. Le niveau, il y a l'ibosso. Au deuxième. Et Mati Ami Balé. Au troisième. Et Mati Ami Sat. Et au quatrième. Ti et Mati Ami Ne. Même dans la vie de notre Seigneur Jésus, nous voyons tous ces processus. Il est né de la puissance du Saint-Esprit. À l'âge de 30 ans, l'âge d'entrer dans le sacerdoce, il fut baptisé. Après, la sima. Il était rempli du Saint-Esprit. Après, la sima. Il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Luc 1:35, Luc 3:22, Luc 4 premier, Luc 4:14. Qu'il soit béni notre roi. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire une écriture. Makomimoko. Aïa, balabrosa. Kalebrosa. Alabrasa. Oh. Yes. Tu as raison, ma soeur. Oui. Osana a raison, Ndeko, moi si. Ya solo. Yes. Zacharie 4, 6. Alors il reprit et me dit. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force. Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Est-ce que tu Amen? Gloire au Seigneur, nous pouvons répondre à nos places. Nous disons merci à notre Père Céleste pour cette semaine bénie que nous venons de passer. Dans sa présence. Et surtout merci pour la clôture de cet avant-midi. Ah, natondi mingi pona bosuki si milulu ya tongo oyo. Parce que sa parole nous dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Pamatema komi lobi eleki malamu suka koleka ebandeli. Il nous a assisté tout au long de cette semaine. Ye aibaki na kozala na biso poso yo mobimba. Et moi, je l'ai expérimenté même quand je venais, quand je rentrais. J'ai pas eu de problème avec des embouteillages. Par sa grâce. Souvent, quand je viens au culte Anjili, pour rentrer, c'est toujours un parcours de combattant. Ah, pour na zonga, ezarande bitumba. Mais cette semaine, c'est vraiment exceptionnel. Kasina poso oyo en tout cas etiami pembeni. Il a envoyé ses anges pour dégager la route. Atinda ki ba mwanje na ye ba ya ba fungola kanzela pour que nous soyons à l'aise pendant que nous travaillons ici. Poto zala na kimia tango tozo sala musala awa. Si nous pouvons l'acclamer pour sa grâce. Sokito robete la ye maboko pona ngolu na ye. C'est vraiment sa grâce. Eza penza ngolu na ye. Nous sommes de ceux-là qui souffrent presque chaque jour dans les embouteillages. Mais l'onction nous a distingués. Mais onction est que c'est ici biso. Amen. Amen. Nous disons merci à notre papa Sissi.
L'homme de Dieu, celui que le Seigneur a établi sur cette maison. Confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. C'est le mot Aman. L'Éternel prendra soin de vous quand vous vous confiez en lui. Confiez-vous en ce serviteur les prophètes et vous réussirez. Ça, c'est le mot Tzalak. Qui signifie réussir, faire des progrès. Et nous disons merci pour notre papa si nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa vie. Ah, pour ce que Dieu fait pour nous par lui. Et nous disons aussi merci à maman Sissi. Merci à maman Sissi pour les soins que vous ne cessez de donner à notre papa. Je vous utilise pour qu'il soit toujours efficace. Pour que nous soyons toujours bénis. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont là. Merci qui travaillent avec papa. Que le Seigneur utilise pour l'avancement de cette œuvre. Que notre Dieu vous soit favorable. Merci aussi à toute l'Église. Merci pour l'Église, Yamobimba. Vous m'avez accueilli, accepté comme votre frère. Merci pour votre amour, merci pour votre attention. Merci pour l'attention. Merci pour votre présence. Merci pour la bosali sinabino. Que notre Père vous bénisse. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous n'avons pas la prétention de tout connaître. Parce que nous ne connaissons qu'en partie. Mais nous ne faisons que donner ce que l'Esprit, le peu que l'Esprit nous a donné pour vous. Et pour nous-mêmes. Amen. 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 Après moi, il y aura d'autres hommes de Dieu qui vont venir compléter ajouter sur ce que nous avons dit ici. Nous croyons par la grâce de Dieu que l'Esprit du Seigneur est en train d'élever une grande armée ici. Pendant qu'on adorait, moi je voyais un grand auditoire. Avec une grande foule. Et mon cerveau me rappelait. Que l'auditoire qui est devant moi était c'était un auditoire de centaines. Mais par mon esprit, je voyais des foules, des milliers. Et je voulais comprendre le langage de l'esprit. Et il m'a dit, dans les jours qui viennent, cet auditoire sera multiplié par autant de fous. C'est-à-dire qu'il y aura une croissance quantitative, grandissante. Et il y aura beaucoup d'extensions qui vont commencer à partir de cette église. Et il y aura beaucoup de missionnaires que le Seigneur va envoyer à partir de cette église. Des gens qui iront envahir le monde avec l'évangile de Jésus et la puissance du Saint-Esprit. S'ils sont là, qu'ils disent Amen. Amen. Loba amen bien. Amen.
Vous savez, pendant que Rebecca pensait avoir des enfants, des fils dans son sein, Dieu voyait deux nations. Il y a des gens ici que le Seigneur va utiliser au niveau national, international. C'est-à-dire que quand le Seigneur les regarde, il voit des nations à travers eux. Papa, le Seigneur t'a connu avant la fondation du monde. Papa, c'est moi qui te connais aujourd'hui. Mais l'omniscient t'a connu avant la fondation du monde. Et je crois que ce qui te dit ne manquera pas d'arriver. Ça va arriver à coup sûr. Raison pour laquelle ce matin, j'aimerais parler sur le Saint-Esprit et ta mission et ma mission sur terre. Na mission nanga topé mission na yo awa na mokili. Papa, j'ai une mission, tu as une mission. Naza na mission yo poza na mission. Une mission divine. Mission oyo kolo Yesu apesi biso. Que le Seigneur nous a confié. Oyo kolo Yesu apesi biso to sa. Depuis l'éternité. Outa éternité. Et cette mission, mission yango, doit être découverte. Esengeli yo yeba yango. Et pour la découvrir, po yo yeba yango, il faut l'assistance. Esengeli osungama. Il faut l'aide. Esengeli lisungi de la personne ya moto qui connaît les cœurs de Dieu pour nous. Oyo ayebi motema ya nzambe po na biso. Qui sonde les cœurs de Dieu pour nous. Oyo akotaka na mozindwa motema ya nzambe. Et cette personne là, mutu wana, n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11 nous dit. 1 Corinthiens 2, 11. Lesquels des hommes, nani kati na bato, en effet, na bongo, connaît les choses de l'homme, ayebi ba makambo, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Mais même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Ndenge moko mutu ta yebi makambo nzambe soki molimo na nzambe te. Okolo bana biso amen. Amen. Mutu ayebi mutema nzambe c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et il est la seule personne capable de nous dévoiler les pensées de Dieu. Amen. Merci. Le dessein de Dieu pour notre vie, pour la vie d'Abisso, dans ce monde. Amen. J'aimerais d'abord vous rappeler que vous n'êtes pas le produit, le fruit d'un accident. Votre existence dans ce monde n'est pas une conséquence logique d'une relation amoureuse. Accident. Na telemi apona koyebisa mutu azo kanga koza accident à parcours te. Il y a un monsieur ou il y a une dame. Peu importe les conditions par lesquelles oyala mukili oyo. Oza fui accidenté. Aux appels fouilles, il y a conséquences logiques. Tu as battu mon mi balé balenga ni baba lani allez babotio. Ezali kambute ya mwana o babota ye papa ye bana toi ye bana te. Ezali kambo kosa la batarte.
Et elle a dit que papa non biologique a pas quitté maman na yo. C'est vrai que le mariage est une institution. Il faut te protéger en haut. Oui, d'accord. Mais les cambo bota ma yako yana mukile oyo. Ils ont dépassé le cadre légal du mariage. Ouais. Un peu exemple simple, il y a pas de quoi jeter. Na ko pe exemple simple ya batu ba Salomon. Papa, tu es biso nyoso dans quelles conditions David a kendaki ko ravir moi si à soda nae. Une honte pour un roi. Et puis tu es pe ba conséquences me maka nanda wanan. Ya David. Et paix, kota qui n'a pas quoi David. Inceste, kota qui n'a pas quoi David. À cause, il y a vice ou l'anza qui n'a dans le domaine sexuel. Mais, et paix qui s'a quitté, que Salomon, Azala, y est dit ya. C'est-à-dire les bien-aimés de l'Éternel. Motonzamba ponaki pour le faire asseoir sur le trône. Amen. Naila yebisa yo. Existence non mukile oyo eza munene koleka ba parents ba bota. Amen. Eza munene koleka genre ya famille oyo okotela na mukile oyo. Eza munene koleka couleur ya peau na yo. Eza munene koleka race na yo. Papa, tout le monde a rappelé Batu Misus. Babangin Zambe, Batamolan Zambe, mais pendant un temps, ma botte n'a pas été. Mais tout le monde a rappelé, même si tu as dit que tu es dans la Bible, tout le monde a rappelé, Moutoumoko Boye, Bangosaka, maman n'a pas de condition, mais quelques temps après, cet enfant-là a commis une personnalité. Il y a un azo que le banayo peut n'azo qu'on insister. Jara fomo bimela, jara ba parents oyo nzamba leka travers bango pour que yo namkile oyo. Ba facteur wana nyoso et la blocage te pour l'avenir na. Papa, vous savez que c'est avec sourire que nous parlons de la naissance de Jésus. Mais si on était à cette époque là, hein? À la place de Marie ou de Joseph ou bien de leur parenté, n'andimite que yo, avec tout ce que tu as comme connaissance, na rationalité na onyoso, n'andimite que tu allais accepter que j'aime on est à qui, y a moli mon santo. C'est facile à dire, hein? Tu es dans l'église Karaboy, sœur Moralobi que non, apôtre, na sa grosse, mais responsable et la grossesse n'anga oh c'est le Saint Esprit, oh mato qui t'en rendit mangote. Ebanindenge nini. Toni mango facilement. Mais hey, foye bango pona point de vie abatu Jesus, même ceux qui la Bible comment clairement te. Mais moi je crois que mépris à Yesu pesa la karaté pour qui charpenté. Ceux qui pas te bébé va mépriser qui parce que il fut un bâtard. Oui, Joseph a l'attaqué responsabilité wana parce que yem tabimaki nani papa d'un côté Sony que frère na biso l'église engrossé mais vérité ça qui engrossa qui té aïe aïe ko sala volonté nzambe ça compliqué parfois. Vous savez que Joseph a gozo ba suspension ko sagana té l'église. Oui. Vous savez que Joseph a reçu un problème grave na batou. Les gens allaient peut-être les rejeter na sambelo église. Somme dans Salimabe, faut comment bonder la cause à presser et à rejeter batou. Attention. C'est comme Joseph hein, ba kanga na ba preuve mais à ça la marbe ngote, mais ba preuve ça là. Vous comprenez non?
Il y avait des évidences à viol. Mais elle n'a jamais violé. Oh. Mais n'est-ce pas que moi, c'est dans l'accent que l'amba, il y a Joseph. Comme étant preuve, il y a viol. Mais il y a un homme qui a Satan qui est dans ma bête. Que Joseph a été violé. Voilà. Que, hein? Oui. Bah, on se bat Joseph. Nabi Manamba, on a eu Joseph, moi, Ming. Nzambe alimbi sabiso bambala mususu tozala trop dur na batoyo. Fallait peut-être te oka nzambe malamu pour nakoyeder ba. Donc je parlais de Joseph. Mais ceux qui mon fois ko 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 ne plus loin parce que c'est Aden. Bakoyo ba ki Aden o ezali awa, eza Joseph te. Donc moi non ezala tata te Marie fallo ba bien. Et puis dans la place, il y a son botama, mangeoire, salle, s'appuyer. Mais il y a un autre indicateur, il y a destiné. Alléluia. Il y a un autre ta destinée, ton existence est allée plus grande que la réalité où je veux vivre. Que la réalité, la famille, personne ne met là. Papa, on a un botama, ça alcoolique. Il y a un autre bébé qui missionne dans le Mukimbe Oyo. Maman, on a un botama, on a un ndumba. Il y a un autre bébé qui. Plein en zambé pour la vie, on a mokimi oyo. La joie est que plein en zambé pour la vie, et zamouné le collègue soana. Amen. Amen. Kozala jamais captif na yango. Moi, étant pasteur, na koutana batou, ba la difficulté pour évoluer la vie. Simplement parce que papa alcoolique, maman prostituée, à cause de la condition de mon boy a bien été et a vu vinaï à réduire yango na ba réalité wana. Et puis, na rappelé une vérité simple et fondamentale. Si tu as un père biologique, tu as aussi un père céleste. Alléluia. Donc, de la même manière, aujourd'hui, dit ma réalité, il y a famille biologique, ni ma paix, les acquis de la rédemption. On a le bien maintenu. Amen. De la même manière, que tu fais partie de la famille, dit ta loi, dis-moi que tu fais partie de la famille céleste. De la même manière, que tu as la famille mokoboye, pas problème, pas maladie héréditaire, dis-moi que tu fais partie d'une famille, aucune maladie est salarrachée. Donc, aujourd'hui, la double nationalité, il faut choisir, c'est la nationalité. Tu as deux passeports. Quelle nationalité veux-tu mettre en avant? Mais la personne conseille, soit nationalité na céleste, taliboso. Amen. Nabi taliboso. Amen. Soit qui moi nzambe taliboso. Amen. Soit mon limo mosatu taliboso. Amen. Et tu verras que, oh zondima, ya onde ekome la yo. Amen. Aux accidentés. Existence na yo. Et ça, c'est de logique. Il y a volonté à battre moko. Rapidement, tu as quelques versets. Proverbe 16, 4. Betato, l'oloba, nganaza, produit y a accident. Nganaza, produit accident. Non? Papa. Quel que soit, oyo tango bota maka, oyo tango bota maka, amen. Mais j'ai commencé à exister avant ma naissance. Je viens de l'éternité et je rentrerai à l'éternité. Amen. Amen. Dato batana mukiliwana na cadre électeur, ils ont appelé correct. Vous savez pourquoi? Pourquoi pas? Batara date à naissance, non? Mais peut-être que la date était abandonnée à l'ibouma maman. Ah oui. Oh. Ouais. Oh. Ouais. Oh. Ouais. Il y a un ange qui s'est tombé comme ça, mystère de nos âmes. Alléluia. C'est tout en la Bible, marmolo besa, tout en rapidement pour tout sambela. Proverbe 16, 4. Vous y êtes? Vous y êtes? Nous y sommes.
Déjà ici, il y a un principe qui dit l'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour les jours du malheur. Il n'y a rien que Dieu a créé sans but. Dans la création, tout ce que Dieu a créé, c'est pour un but. Il y a un moment où on a même un quelque part où on a un gecko, parce que le gecko doit être là pour diminuer le nombre d'insectes. Ceux qui nous ont dit, c'est un gecko pour un but. À combien plus forte raison il y a un gecko? Bateau. Il y a sali na image. Et le but pour lequel on nous a dit, c'est un gecko. C'est ça la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés dans ce monde. Amen. Jean 18, 37. Là, c'est notre Seigneur qui parle. Jean 18, 37. Pilate lui dit, Pilate a ébissié, tu es donc roi. Bongo, yozan kumu. Jésus répondit, Jésus, tu l'as dit, olobi yango. Je suis roi. Nazali kumu. Je suis né. Na botami. Ozoka. Na botami te na botama. Je suis né. Na botama. Et je suis venu dans le monde. Na iya, na mokili. Pour rendre témoignage. Po na eba na kotatola. Pour rendre témoignage. Po na tatola. À la vérité. Bosolo. Quiconque a de la vérité, écoute ma voix. Oyo nyoso auti na bosolo azoka mongo. Awa tozomona Yesu devant Pilate. Azo yebisa Pilate la raison pour laquelle abota maki. Na telemia na yebisa mtu mogo. Il y a une raison pour laquelle tu es né. Amen. Obota makarate pour la une volonté abatu. Mais obota ma parce qu'il y a une raison. Parce qu'il y a un but qui dépasse le cadre, les personnes dont le Seigneur s'est servi pour que tu sois né. Amina botama pena yaki na mokili pour donc il y a une raison. Ya ona otala ndeko langai. Na otala yo ndeko molinga mikati na Yesu. Nazotu no question moko. Malgré Ajo Zanango. Est-ce qu'on y a vu pourquoi tu es né? Obi pourquoi Nzambe atindio na mukili oyo? Obi pourquoi les autres sont morts? Mais nous avons gardé Yonanga en vie, Tilelo. Frère, il est possible de vivre dans ce monde sans comprendre la raison pour laquelle on existe. Sans saisir la mission que le Seigneur nous a assignée à remplir dans ce monde. Il est possible d'exister, de vivre dans ce monde tout en étant utile et pas abattre belé, mais en même temps ne pas remplir sa mission. Ah oui. Quand on a mis le oyo, on s'en va bien. Et ça aide pas battre, mais sa mission n'a été. Il y a un moment dans la Bible, il y a des gens qui ont compris leur mission tard. Soit selon souveraineté en Zambé. Amen. Soit parce qu'ils ont mis du temps à comprendre les langages de Dieu. Moudoukola Moïse, a eu la mission à l'âge de 80 ans. Il y a un peu de courage pour que ce soit âge aux ans. Le fait que Nzamba Zotika en vie, c'est pas encore tard. Abraham, mais Abraham,
Abraham a capté la voix du Seigneur, a saisi la pensée de Dieu à âge nini, 75 ans. Au coup d'appel à Batou Missous, au bas, j'ai eu conscience de la mission de la Bango, alors qu'ils étaient jeunes. Le roi Jérémie. Jérémie a lobby. Je suis qu'un enfant. Donc, Engolo Bake, quel que soit âge aux Anayango, puisque le Seigneur, dans sa miséricorde, te laisse vivre, c'est encore possible de découvrir ta mission. Amen. Et je parle bien de la découverte. Je parle bien de découvrir. Parce que cette mission-là, c'est lui qui la connaît, c'est Dieu. Et Dieu seul. Parce que les responsables de mon existence, de ton existence dans ce monde, c'est pas moi, c'est pas toi, ce ne sont pas nos parents, mais c'est Dieu. Et il n'y a que lui. Ne ayebi na mukili oyo atinda biso to ya kosala nini na ina yebisa mutu moko na mukili oyo za touriste été. Amen. Oza touriste été. Soza na moko ba makambo oyo l'ennemi le diable azo travailler sur yango makasi ezali ya ko empêcher ba tu na mukili oyo pendant qu'ils sont vivants ba remplir leur mission. Va vivre na bango ba sala nyoso ba yoko sala mais ba saisir te la mission de Dieu pe ba remplir yango te tant jete le ton lo ba makambu ya quelles sont les conséquences et non semble la mutu moto za lokola Yesu. Vous savez que le Seigneur vers la fin de sa vie il a dit j'ai achevé ma mission. Paul aussi l'a dit. Il y a un moment où il y a des gens qui sont trop jeunes ou bien jeunes. Mais il y a des gens qui sont trop jeunes. Il y a des gens qui sont trop jeunes. Mais c'est quoi qui lorsque assis ce qui est une mission. Dans ce moment, il y a des gens qui sont trop jeunes. Il y a des gens qui découvrir une mission. Il y a des gens qui sont trop jeunes. Pourquoi nous sommes salés au moins dans le salon moins dans moi. Pourquoi Salomon a moins c'est Salomon en bas. Oye ba pourquoi Nzambe a permettre te que yo okola na États-Unis mais ozana na R de Congo. Frère, dans la vie to ko sa makambo ebele. Hein? Pour la Nzambe et non elongola nani? Na Nzambe. Dans la vie, tu as un grand bébé pour Dieu et non avec Dieu. Dans la vie, on peut faire beaucoup de choses. Tu dois acclamer, aujourd'hui succès. Mais nous avons monté ma lili. Parce que ça, il y a un côté à cela qui n'est pas là. En fait, ta mission, ma mission, c'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce que Dieu attend de moi. Pendant que nous sommes encore dans ce monde. Nangila yebisa yo nzambe oya tikinda yo na mukili oyo. Azala makambo zo zela de ta part. Azo tikela yo pema, azo tikela nga pema, c'est parce qu'il te fait confiance. Exemple moi zo ganga. Amen. Exemple moi zo yoka. Amen. Eko yeba makambo ango. Ko découvrir makambo ango. Et ça va possible par le Saint-Esprit. Mm-hmm. Par le Saint-Esprit. Akole kalabanzele belé. Mais il n'y a que lui qui connaît les choses de Dieu. Frère, moko yaba drame ya lelo l'église. Et ça que zana batu misusu c'est limité na koloba langue. Même si on a un ensemble, et ça, c'est limité du fait qu'il y a un pasteur, il y a un apôtre. On est tellement satisfait de nous-mêmes qu'on n'a pas le temps. Il y a un comprendre que ce qui nous a satisfait pour nous.
On veut tellement des éloges à battre. On court tellement derrière ba besoin de zana yango que oh ne sobiso to lingi to atteindre ba objectif na biso. Mais sommes-nous sûrs que ba objectif na biso ça paye anani? Ya Nzambe. Ça c'est une distraction au sein de l'église qui ne dit pas son nom. Donc, le système il y a autosatisfaction. Tout ça, on s'est contenté là où il y a Bissot. Mais nous oublions qu'il y a un auteur de la vie. Amen. Et Moukolo Viwana, à ça que l'on se pourrait inviter. Même temps, on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit. Pourquoi tu es né? Amen. Est-ce que moi zoka? Amen. Sokoloba na biso amen makashi. Amen. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es venu dans le monde? Non, n'ignore moi dans ça mais le temps est arrivé. L'heure est arrivée. Oh, il faut gang et panza. C'est moi, mon centre. Ce qui, il y a le comprendre. C'est Saint-Esprit, aide-moi à comprendre ma raison de vivre. Pourquoi je suis dans cette famille? Pourquoi je suis dans cette église? Pourquoi je suis dans ce pays? Pourquoi les Américains sont congolais? Pourquoi on a mis la famille où les pauvres boyés? Dans une telle famille, qu'est-ce que tu attends de moi? C'est quoi ma mission? Il n'y a que des gens qui ont compris leur mission. Ils ont vivre dans la mission. Ils ont vécu dans la bénédiction pour la génération avant. Amen. Et ça va bateau va comprendre mission la bango peut pas vivre dans la mission la bango ne pas sa bénédiction pour la génération la bango bango ne pas ça boom pas ça remède pour la bango ya société. Il n'y a que bateau va comprendre leur mission peut pas vivre dans la mission la bango ne pas ça une bénédiction pour notre église. Il y a au moins il y a des familles qui reste pauvre parce que la personne qui a la mission de faire sortir cette famille-là de la pauvreté n'a jamais compris sa mission. Hein? Au lieu de comprendre la mission, on ne fait que passer son temps à se plaindre. Nous avons une famille qui est une famille mobimba. Mais parce que tu n'as pas compris que c'est toi la réponse de Dieu, c'est toi la solution de Dieu au monde de cette famille. Vous savez ce que nous faisons dans la plupart des cas? Nous passons notre temps à constater les mots, à constater, oh, ils ont simbaté, à critiquer, à condamner, à murmurer. Mais on n'a pas le temps de remplir notre mission pour que nous allons se servir de la biseau pour apporter des solutions. Si tu es fils de Dieu, laisse-moi te rappeler que dans la logique de Dieu, tu n'es pas appelé à être une charge dans la société. Mais tu es appelé plutôt à être une solution. Hein? Et on regarde la solution quand tu as compris, quand tu as découvert ta mission. Quand on m'a dit, mon centre a aidé yo à découvrir au bengama nanini. Souvent, tu as rapport à ma kambo, oh, yo, tu as bengami bu, son de to guérir yango. Souvent, les problèmes qui nous dérangent, ils ont un problème. Oyo, nous avons bâti d'abusonde, tout me mélange banini. Ma solution. Mais malheureusement, nous voyons toujours les choses du mauvais côté.
Ah, l'église, mbongo ezate. Ah, basinga mbongo l'église, mbongo aboye euta wapi. Mais mtazolo ba bongo, ana mission na mukili oyo. Ya koma un grand homme d'affaires et na mbongo na ye affaire avancer royaume yanane, ya Nzambe. Mais comme aza ignorant, comme aza na besoin te ya ko coopérer, ya ko collaborer na Saint-Esprit. Pour Saint-Esprit fongola ye mayele, aye ba mission na ye. A remis qu'on est là pour un problème où il normalement il y a des fois personne n'a rien dit. Solution. Dans les exemples, tout le monde a une mission où on a assigné pas na yo. Ils ont la solution pour la battre bien. Amen. Ah oui. La mission où on a assigné pour na yo. Ils ont la battre bien parce qu'on a guéri. Ils ont la battre bien parce qu'on a mis ça là. Ils ont la battre bien parce qu'on a dit yes. Ils ont la bonne mort. Mais le diable a réussi. Yako détourner attention à Batuebele. Lelo. Odumanzo ganga. Amen. Odumanzo ganga. Amen. Et tu verras la carte église et pas la bise au Christ. Nous ne comprenons pas que non seulement Saint-Esprit a ça on a pour encore aider besoin de découvrir mission, mais il est aussi là. Pour avoir la capacité pour remplir cette mission. Parfois, on a dit que onction. Papa, en fait, l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est cette capacité surnaturelle. L'onction, c'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit que Dieu te donne, que Dieu me donne. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Pour nous rendre capables de remplir chacun sa mission. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Au point que celui qui a pour mission d'enseigner a besoin de l'onction pour enseigner à l'université. Au point que celui qui a pour mission de faire les affaires a besoin de l'onction de Dieu pour faire ses affaires. L'onction, c'est l'assistance surnaturelle. L'onction, c'est Dieu, par le Saint-Esprit, qui vient te rendre capable de faire ce que tu dois faire selon la mission qu'il t'a assignée. Et vous savez quoi? Dieu n'échoue jamais. Voilà. Amen. Jamais. Et Gagoloba, lorsqu'on a reçu l'onction par rapport à sa mission, on n'échouera jamais. Amen. Obi mutumwa na yemo Christote, mais le bas phrase mourete ya bisonyo so, Madiba. Nelson Mandela loba ke ye a échouera te, après naka. Donc, à chaque fois, on va se le remover, simbite, a échoué te, à apprendre de l'ouasika maîtrisa yite. C'est sage. Aujourd'hui, on a réduit l'onction. On a réduit l'onction. Kaka n'a parlé la langue. Kaka n'a olenga. N'a retremblé. On a réduit l'onction. Kaka n'a rejoint ma vision. Cher bien-aimé, ça va au-delà de ça. Amen. Ce qu'on t'a dit déjà dans 1 Jean chapitre 2 verset 20, virgule, verset 27, tu verras que l'onction que nous avons reçue enseigne nous toutes choses. Voilà. Déjà avec l'onction de Dieu, avec cette capacité, le Seigneur peut t'aider à rouiller baguer. Aux en a telle mission et tu peux la remplir de telle manière ou de telle manière. On se sait qu'à l'époque, on ressemble à la mingi. On se sait que si on a la mission, et on a la professeur d'université, et sa capacité, on a aimé, mais on a un niveau, on a appelé, on a l'excellent, on a la distingué, on a la professeur Moussous. Amen. Amen. T'as le bien amen, bien sûr. Amen. Et puisque je comprends une mission, il y a encore au moins la carte église, quelqu'un avec un grand futur, avec une grande destinée, mais je sais que tout le monde a transporté sous la culte.
Si c'est le cas pour vous, l'imbissa n'est pas frustré. N'est pas que ça, il sait comprendre. Amen. Les lots, ce qui se passe autour de nous, il y a un est captivé, mais il y a un. Mais il y a plus à faire que Kozanga Bilamba Olata. Hein? Kozanga Bela Kozala que Kozanga Moko Futanda. Et là, on a bien la vie. Obezanini. Souvent, lorsqu'on n'a pas compris sa mission, lorsqu'on n'est pas dans sa mission, lorsqu'on ne remplit pas sa mission convenablement, on va manquer la progression. Lorsqu'on n'est pas dans sa mission, lorsqu'on ne remplit pas sa mission convenablement, hein, oui, on va manquer la provision. Ah oui. Il y en a qui ont dit ça, frère en Christ, sœur en Christ, oyo. Yo, je suis allé dans le monde, je suis allé dans le monde, je suis allé dans le monde, je suis continué. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes. Oh, nga vraiment on semble là, mais je me demande, neni makamu nga na domaine nous aussi mbate. Et ko simba ndenge nini yo za libanda mission. Et ko simba ndenge nini yo zo sala mission malamu te. Et ça, et c'est là qu'il faut corriger mbangu. Bah, vous êtes concerné. Parce que, tant que vous êtes là de la part de Dieu, je ne peux pas faire ça. Nous avons besoin de trône. Nous avons besoin de ça. De ma part, de ta part. Voilà l'une des raisons où il faut que nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Tant que la Bible. Vous savez que Apocalypse 5, 10, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Comme nous sommes là, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Mais tant qu'à bien la Bible, au moment que n'a roi, n'a sacrificateur, personne n'entre n'a responsabilité, n'a charge n'a sans être loin au préalable. Amen. Donc le Saint-Esprit s'est gagné pour nous. Et depuis surtout découvrir la mission, mais il est aussi là pour nos capacités pour la mission. Oui. N'attendons les leurs capacités à la mission. Amen. Tu existes parce que tu as une mission à remplir. Namukilioyo. Osa ko existete pour nos makambo yozo linga. Et je crois aussi, on a point de vue nanga personnel. Je crois aussi que l'élo, si l'ennemi a la facilité de faucher la vie de la plupart des chrétiens, c'est parce que Baba comprend le Makambo. Balanzambe. L'ennemi est un ennemi de Dieu. Ok, tautologie, wana. Ennemi, dans mon oral, il y a un Satan. Pour Satan, il y a un ennemi, c'est un synonyme. Satan, Aza, ennemi à Nzambe. Problème, il y a Satan, Zaganini, à contrer, ben, intérêt, nous, sur le royaume, Yanani, Yanzambe. Et, n'enga, yo, Zawana, Oza, mouton, Nzambe, t'en a, m'kile, oyo, na, mission. Donc, Oza, déjà, représentant, y a, ben, intérêt, Yanani, Yanzambe. D'office, Oza, mouton, Satan, il faut, Luka, à, telemela. Abundisa. Frère, au cas où tu as un peu de temps, mais tu as un peu de temps, tu as un peu de musique païenne, mondaine. Place dans la mission, tu as un peu de temps dans ta église. Mais le diable a su les dévoyer, les dérouter. Il y a des gens. Oyo baza lelo na kata bondoki ba banganga kisi misusu bake ba te même na nini baza ba pouvoir ya molili
Mais ça allait bien. Mingi ba benga mai ba sala la nzambe koto. Yangonga na zaka choqué te so na moni mutu mo ba sala la ki satana makasi. Ntango a bongol motema ba fermer yé bien akomi mo sala nani. Ya nzambe. Parce que le diable travaille pour la ko dévier ba te belé na ba mission na bango. Amen. Moussoupe, à quel la molilité, tu es dans l'église, mais l'ennemi, a zoa, kobanga, a zoa, incrédulité, tel un thème en ayo. Combien t'es parmi Bissolelo, baza malade? Simplement parce que le diable a empêché Bango, ba remplir Nini, mission en Zam. Frère, la maladie n'est pas une bénédiction. La maladie est un embargo satanique. La maladie est un joug que le diable impose sur la vie des enfants de Dieu pour que pas remplir mission la banquette. Obi joug non. Pièce ya bwana bataka ne chine ya banyama a. Na mukongo banyama a. Hein? Pour la routine, il y a un chari ou un chariot na sima. Pour la obliger, bango ba la soumis na la volonté ba mettre na bango. Papa, les lois sont là, ça m'a mis nene nan zambé. Mais Satan a joué un embargo à santé. A teli bango. A joué un embargo, il y a un problème. A teli bango. A joué un embargo, il y a pauvreté. A teli bango. Ce que ça concerne, en mode, c'est dangereux. Vous savez, il y a un verset. Papa, on attend un verset. On attend un bon. On a une collection au bon côté. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 18. Yoka o Paul Azoloba. C'est terrible. Ainsi, pardon. Aussi, voulions-nous aller vers vous? Du moins, moi, Paul. Kasingai Paul. Une et même deux fois. Na lingaki na yamba la moko to pe parler. Mais Satan. Kasi Satan. Nous en a empêché. Ya peki sa kibiso. Gloire au Seigneur. Moi, nzambe. Mutazo ba makambo aza n'importe qui, c'est pas un bébé spirituel. C'est quelqu'un qui a atteint une certaine dimension avec le Saint-Esprit. Et puis, à se cacher à l'obi, une ou deux fois même, ton rédito y a verbino, mais le diable, mais Satan nous en a empêché. Parce que, Ezan a aden y a Satan qui a empêché qu'à mission en Zambé Kokishama. Moudouman Zolanga. Les lots, ils ont un problème. Et qu'on appelle empêchement. Ils ont une maladie. Et qu'on appelle empêchement. On a un dakouba na bazo gangaïte. Et qu'on appelle empêchement. Combien de barata, barata, ba réunion puissante, au fallait en pambo la bonne église. Parce que moi, on a un dakouba belu sérieusement. Combien de yabatu awa barate magaba minya na vie parce que moyen comme ma place wana ezate. Heureusement, le balan heureusement. Heureusement. Heureusement que l'onction ezaka ka capacité te, mais aussi un destructeur de jouk. Alléluia. Esaïe 10, 27. Voilà. L'onction est un destructeur de jouk. Yes. Tu as besoin du Saint-Esprit. Non seulement à aider besoin de découvrir vision. Non seulement à capacité biso, mais aussi tu as besoin d'onctionnaye. Pour que l'ennemi a imposé bisoté. Bah, ma gamba, ma beya passe. Ou est-ce qu'on empêche bisoté de remplir notre mission? Oh, amen. Amen. Oh, amen. Amen.
J'ai une mission. Papa, vous avez la mission remplie. Amen. Et puis, tu as dit que les moyens les plus efficaces que le diable utilise pour détruire la mission Yamoutou et Simbate, c'est la mort prématurée. Mm-hmm. Ah oui. La mort prématurée est une mort qui est jeune. La mort prématurée, il y a beaucoup fait avant d'achever la mission. Mm-hmm. Il y a 70 ans, mais il y a fait prématurément parce que pour l'ensemble, la mission devait courir jusqu'à 90 ans. Ouais. Moïse a abandonné la mission à 80 ans. Il y a 120 ans. La mort prématurée. Ça, c'est le moyen le plus efficace que le diable utilise pour nous faire taire. Pour nous mettre hors circuit. Tout ça, c'est le côté. Il y a un peu de temps, chrétien a une maladie. Parce que maladie, comme on a dit, on a dit, baza charnel. Ah, y'a yo karaté. Ah, y'a sa vie ma bé. Papa, l'homme sous les comme il a battu le nez, pour pas dérouter, on a mission là-bas. Y'a un embargo satanique. Les diables savent très bien qu'il y a tant de gens qui ont ceux qui ont été en soumou. Si n'a pas eu de mission. N'a pas eu de mission. Papa, ça, c'est le bon matin, le niveau MPD, c'était commis à côté de la salle de l'Anzambe. Oui, pourquoi? Mais il y a ce que je dis d'une manière simple. Tu ne vas pas frapper berger, ni ne comme le bas prébi. Dispersion. Papa, il y a ce que je dis, 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 il y a ce que je Le diable, yes, abenga Satan, le malin. Aza rusé, aza ma yé la rosaganate, mais ya ma bé. Ya on le lo facilité. Moutame la masanga, moutame sa la nye sa go sala. Avec les gens attendent, ta grâce. Mais Galates 5, 13, puis besoin de bakouna, tout ça, la grâce, t'es comme un prétexte pour vivre dans le péché. Galates 5, 13. On a besoin de l'onction de Dieu. Car après avoir accompli le miracle, mais pour que Jouki, mais 39 sont molili et Boukana. Amen. Et je termine à 2 Corinthiens 3, 5. Il y a la Bible en attendant. 2 Corinthiens 3, 5. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Ah! Papa, tu as remis mon égard capable. Pardon, maman. Même si tu es à boire, peut-être, pour nous, bon. Et en l'autre.
Mais Paul a commis à l'objet, c'est pas que nous serons capables pas de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. J'ai prié la nuit. C'est vers 4h, Ndenzambe a ouvert sa makambo. Tenez le bel makambo na peuple là. Amen. Na go lo bapeke na te ya trot. Ngala mando te la ra minère. Dans notre terre, j'avais 17 ans. Dans le royaume, ça fait plus de 25 ans la terre à la Bible. Dans le royaume, la terre à Pemingit. Dans la vie de la terre, dans le terre de Kambo, donc, on a déjà à peu près dans autant de versets dans mon tour, mais puis que bon. Ça, c'est de l'orgueil. Il y a un macassanza, mais moi, ça, là, pour n'abuser les athées. Tokoma, toyeba, tokoka. Il y a moi, l'ennemi, Satan, azaro, saka, n'abuso, le gola, papillon, et Adam. Il y a moi, là, tout, qui est l'essentiel. Il y a moi, de comme, ça, là, où, n'est-ce pas, ça, là. Sans se rendre compte que tous en mission à Nzambe, tous en Liban dans mission à Nan, il y a Nzambe. Yo, comme on est dans la snelle, mais Moussalo qui est dans la régie des eaux, n'en t'a pas ce salaire qu'on a. Oh, la lobby, t'es tous en capable d'être un abus au moro de concevoir quelque chose venant de nous-mêmes. Mais la lobby, nini. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ma coquine a bu son contraire et ce qu'on a dans Nzambe. Et cette capacité-là, c'est ça l'onction. Amen. Yes, pour remplir mission, il a besoin d'onction. Bongo yonanga. Bongo yonanga. Yazanga lissoum. Hébreux 4:15, atigala go péchete. Bongo yonangai. Yesu a tellement dit, car l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. À ceux qui ont dit, pour. L'onction, c'est pour un but. Amen. Le but, c'est la mission. Amen. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth, du Saint-Esprit et de force qui allait de lieu en lieu. Faisant et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ceux qui disent que nous avons besoin de ça, Seigneur, j'ai besoin de ton nom. Je suis côté ma place.